Bonjour à vous les Vierges. Très contente de vous retrouver sur ma chaîne, le murmure des cartes de Monica, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, très contente de retrouver ceux qui sont déjà venus. On va aller voir cette semaine, pour la semaine donc du 5 au 11 juin, les petits messages qui vous concernent. Si vous êtes donc Vierge, ascendant Vierge, signe lunaire ou Vénus en Vierge, ça peut aussi avoir des messages pour vous. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pensez à vous abonner, pensez à liker, ça me fera toujours plaisir. C'est le moyen que vous avez pour, si vous êtes content, si vous avez aimé les vidéos, pour me faire un signe, voilà, soit vous faites un commentaire, soit vous likez, vous abonnez. C'est quand même assez important pour moi. C'est une nouvelle chaîne, donc ça fait toujours plaisir. Et puis, pardon. Et donc, on va aller voir tous les petits messages qu'on a pour vous avec déjà l'oracle G. Alors, ça va être parti. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Vierges? Alors, pour vous, déjà, on voit une petite rentrée d'argent pour vous, si vous êtes une femme ou sinon, c'est la femme de votre cœur, si vous êtes un homme. On voit une petite rentrée d'argent. On voit aussi. Si vous êtes célibataire, ça peut être aussi, et que vous êtes un homme, on dirait que c'est vous, que les énergies, elles sont. De toute façon, les énergies sont transférables, sont intransférables. Donc, homme, femme, femme, homme. Disons que c'est vous, ami consultant, mais pour moi, c'est quand même plus une femme. Et ça serait plus votre femme si vous étiez un homme. Donc, ça, c'était une petite parenthèse. Donc, où j'en suis? Une petite rentrée d'argent. Oui, on voit une petite rentrée d'argent pour vous. On me dit aussi, on peut me parler aussi d'une promotion, d'une réussite, quelque chose vraiment, une évolution, pardon, une évolution sociale, une promotion. Ça peut être aussi en amour, une relation durable et sincère, ou en tout cas, ça se passera rapidement. Ça peut être la nuit aussi. C'est quelque chose. Vraiment, c'est un événement, voilà, qui va vous élever, vous apporte de l'argent et qui peut se passer la nuit. Ou sinon, c'est quelque chose qui peut avoir. Ça peut être un commerce de nuit, vous voyez. Ça peut être, je sais pas, moi, vous travaillez pour arrondir vos fins de mois en tant que videur dans une boîte de nuit, ça peut être votre femme qui travaille dans une boîte de nuit, enfin ça peut être pas mal de choses. Peut être aussi quelque chose qui. Voilà, c'est quelque chose en tout cas qui est rapide. On me parle aussi. On parle aussi qu'il y a beaucoup d'hypocrisie autour de vous, beaucoup de méchanceté. Mais après, on voit la colombe, et la colombe, elle vous apporte la paix, elle, la réconciliation. Ça peut dire aussi que vous, votre femme, hein, enfin, la personne en face de vous, hein, je dis femme parce que voilà, là, je pensais à un homme. Mais après, homme, homme, femme, femme, vous vous adaptez. Donc, ça peut être la réconciliation, oui, je disais, ou vous, ou la personne en face de vous qui a peut-être un attrait pour le monde de la voyance. Peut-être que vous avez, vous, ou votre autre, un don style magnétiste, radiesthésiste. Voyance, hein, tout ce que vous voulez, hein, dans le monde de la voyance. Et ça serait. Ça serait aussi quelque chose. Il y a l'automne, là, donc c'est un cadeau de la vie, quelque chose qui va se passer à partir de l'automne. Et ça sera un cadeau de la vie, une aide. Dans certains cas, ça peut dire aussi donc vous avez un don spirituel. C'est un cadeau de la vie. Voilà.
Voilà, c'est vraiment. Je pense que c'est cette personne, c'est cette femme qui a un don. Ça doit être votre femme et ça va rapporter d'ici quelques mois, d'ici l'automne, une rentrée d'argent en plus, un cadeau, une aide. Ça sera une grande aide pour vous. Après, ça peut être. Enfin, vous vous adaptez à votre situation par rapport à tous les messages que je vous ai dit. En tout cas, je pense qu'il y en a au moins un de vous deux qui a un attrait pour la voyance. Et quoi qu'il arrive, si c'est pas ça, si c'est pas un cadeau de la vie, vous allez tout simplement recevoir un cadeau. Il y aura une réconciliation ou une aide de la part de quelqu'un. Voilà. Donc vous avez un bon jeu quand même, amis vierges. On va aller voir ce que l'on a avec les messages du mois que tu m'aimes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, hein, mes vierges? Hein? Donc, on nous dit effort, fatigue, lassitude, nostalgie, mentalisation, émotion. Vous voyez bien. Et enchantement, sérénade, minauderie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes fatigué, vous êtes lassé au fait d'avoir fait des efforts. On me dit aussi qu'il faut arrêter. Il faut arrêter de penser avec votre tête. Il faut peut-être maintenant penser avec votre cœur. À la vie, à l'amour heureux, heureuse, car vous le méritez vraiment, en fait, âme vierge. À vivre dans les peurs du passé, la nostalgie, vous perdez votre temps, en fait. On peut donner, en fait, il faut garder espoir, il faut redonner de l'espoir. Redonner oui à votre réalité en fait de la confiance et de l'espoir. Voilà. On me dit aussi que le champ le on me dit aussi que le courage il se cache souvent très longtemps derrière l'hyperactivité en fait et le surmenage. N'allez pas jusqu'au burn-out. Hein, surtout avant de prendre et d'assurer la décision de vivre un nouveau, comment vous dire, un nouveau vous, une nouvelle liberté. Voilà. Alors, par contre, ne déclenchez pas, ne déclenchez rien sans véritablement avoir pesé les circonstances et les dommages humains collatéraux. Réfléchissez à ce que vous faites, amis vierges, faites les choses dans l'ordre. Si vous n'êtes plus heureux, j'ai l'impression que ça part à un couple, à quelqu'un qui est en couple et qui a fait des efforts pendant des années. Et je ne suis pas sûr qu'il soit très heureux, donc on voit qu'il est fatigué, il est lassé. Il vit avec le passé, donc. Je pense que ben sortez de cette relation et sans faire de mal et c'est l'impression que ça me donne un peu. En tout cas, on vous dit aussi de ne pas prendre la première venue. Toutes les occasions ne sont pas bonnes. Hein. Ne vous donnez pas corps et âme au premier venu aussi, respectez les étapes. Il y a quelque chose, il y a de la dragouille, il y a de la minauderie, il y a quelque chose de vous êtes fatigué et ça finit par l'enchantement, la sérénade. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être autre chose qui vous attend ailleurs. Voilà. Voilà ce que j'ai vu pour certains de vous, bien sûr. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et pour le chakra du cœur, j'ai tiré deux cartes, l'instant présent et les douleurs émotionnelles.
Alors, vous voyez, c'est ce qu'on dit, hein. Pensez au l'instant présent, hein. Pour accueillir ce bonheur, pensez au présent. Une partie de vous a du mal, il a mal, il n'arrive pas à avancer. Et donc, pensez à un nouveau chemin positif côté relationnel. Vous avez des douleurs, vous avez été soit blessé, vous avez la blessure de l'humiliation, donc vous êtes arrivé quelque chose en couple ou avec votre ex en tout cas, enfin quelque chose d'avant. Et donc, pensez pas au passé, vivez l'instant présent. Voilà. Voilà pour vous, amis vierges. Je crois que j'ai tout vu. Et puis, si ça vous a parlé, ben, j'espère que ça vous a parlé. Si vous avez aimé, ben, likez. Abonnez-vous, je vous remercie déjà pour ceux qui l'ont fait. Et puis je vous dis à très bientôt, amis vierges. Bye bye, je vous embrasse.